Leslie Medina, révélation de la série Fiasco, séduit aussi avec un tout nouvel EP, Les Lotus poussent dans la boue. L'artiste s'y livre sans phare et dévoile des thématiques qui touchent tout à chacun, l'envie d'aimer. Comme la solitude. Leslie Medina s'est fait connaître du grand public à travers son personnage d'Ingrid dans la série de Pierre Ninet et Igor Gottesman, Fiasco. Artiste dans le sens noble du terme, l'actrice est aussi une chanteuse envoûtante grâce à des textes intimistes et une sensibilité dans son grain de voix. Les Lotus poussent dans la boue est le titre singulier de son dernier EP, sorti le 24 mai dernier. Cet EP est né avec un premier morceau qui s'appelle L'or et le fer, le dernier single que je viens de sortir, explique Leslie Medina. C'était une intention d'expérimenter différentes textures, de nouveaux instruments. Et puis dans les textes, aller chercher un état général de liberté, d'émancipation. Concernant le titre de son EP, des plus originales, Les Lotus poussent dans la boue, il s'agit d'un mantra bouddhiste, qui signifie plus profonde et boueuse sont les racines de lotus, plus belle est la fleur. J'aimais beaucoup cette image pour parler de la vie, des obstacles et de la résilience qu'on trouve là-dedans. Ainsi que d'une quête presque identitaire, partage la chanteuse. Leslie Medina, une grande romantique depuis petite, Leslie Medina nourrit un imaginaire très grand, qui fait d'elle une grande romantique. Je tombe facilement en amour des choses, des gens, des garçons. Et je cultive cela, je ne lutte pas contre, de ne pas l'éteindre, si y est-il un feu qui m'anime et m'inspire, confie-t-elle. Si y est-il plein d'espoir de tomber amoureuse. Autre grande réussite de Leslie Medina, Ingrid, son rôle dans Fiasco et une scène qui déjà devenue mythique avec Pierre Ninet, celle des insultes. La scène où j'insulte Pierre Ninet, tout le méthode acting, c'était ma scène de casting. Si est-il donc la première fois où j'ai rencontré Pierre et Igor Gottesman pendant mes essais, explique Leslie Medina. Ils m'ont fait travailler cette scène, on a exploré pas mal de choses. Igor voulait vraiment monter les curseurs au maximum. Me faire sortir de mes gonds. Il voulait que ça soit très fort pour contraster avec la douceur du personnage d'Ingrid. Et pour venir bousculer aussi le personnage de Raphaël, joué par Pierre. On s'est éclaté sur cette scène, car les deux ont une âme d'enfant, une capacité d'improvisation qui est folle. Un trio magique qui a donné un moment de comédie comme on aime. Les Lotus poussent dans la boue est disponible sur toutes les plateformes.